Moi, mon gourmand, c'était à 2 semaines du mariage. J'ai rencontré une personne il y a des années passées, là. Cette personne-là était un élève, étudiant, s'il faut dire, en fin de cycle. Et souvent, pour les belles femmes, on aime à le dire que les belles femmes n'aiment pas prendre les étudiants, ils n'aiment pas prendre les gens au bas de l'échelle. Vu que je vous ai dit que je maquillais, je maquille beaucoup les mariés aussi. Et lorsque je maquille, c'est bizarre que je maquille les gens se marient, mais pas moi. Et moi, je me suis dit, pourquoi ça n'arrive qu'aux autres, mais pas à moi. Puis après, j'ai fait la rencontre lors d'un défilé d'un jeune, ce gars-là. Et tout de suite, il y a eu le feeling. 6 mois après, on a commencé à sortir ensemble. On a fait 4 ans, j'ai pris une grossesse. Déjà, ça a commencé au niveau de grossesse, parce que quand j'ai pris une grossesse, j'avais des jumeaux. Sa maman a commencé à bouder parce qu'elle estimait que son fils ne pouvait pas déjà avoir des enfants. Et déjà, pour la petite histoire, on avait décidé de se marier. Et elle dit à son fils qu'elle n'est pas d'accord pour le mariage. Au bout de 4 ans, j'ai perdu ma mère. Et quand j'ai voyagé, lui, il a décidé de venir aussi pour venir m'assister. Alors, quand il vient m'assister et tout, un jour, on est en train de dormir comme ça, à 4 heures du matin, je me réveille parce que, moi, je prie souvent, mais il y avait une voix qui me disait de le mettre l'huile d'olive, l'huile d'onction au corps à 4 heures du matin. Puis je l'ai réveillé. Et quand j'ai fini de frotter l'huile d'onction là sur lui, c'est la première fois en 4 ans qu'il avait dormi, qu'il a eu un vrai sommeil jusqu'à ce moment-là. Je suis venue le réveiller à 10 h. Et c'est comment tu as quoi? Il dit non, je dormais seulement. C'était la première fois en 4 ans. Quand on est reparti en capitale, on a dormi parce qu'on était arrivé la nuit. Je me réveille le matin, j'ai dit bonjour maman. Elle avait le balai, elle a sauté sur moi. Elle a commencé à se battre avec moi. Elle était dans tous les sens jusqu'à elle disait oh, est-ce qu'on t'a épousé? Pourquoi tu as emmené mon enfant là-bas? Même si ta maman, elle est décédée, c'est pas moi qui ai tué ta maman. Et des méchancetés, vraiment. Et après, elle a sorti un truc. Et puis, tu l'as mis l'huile d'onction, tu l'as frotté l'huile d'onction. Pourquoi à 4 heures du matin? Ça m'a fatiguée. La cinquième année, on a décidé de se marier. Et quand on a décidé de se marier, on a fait les faire-part, on était bien. J'avais déjà acheté même, on avait acheté ma robe, tout, tout, tout était planifié. Et puis, même les bagues, puisqu'on était à 2 semaines Le de mariage. mariage et tout. Et son oncle, déjà le petit frère de sa maman, nous a envoyé un message kilométrique pour dire que, enfin, en un mot, je conclue, pour dire que 5 ans, c'est peu pour que lui et moi nous puissions nous marier. 5 ans, c'est peu. Ils estiment qu'il est encore jeune et tout. Cependant, il avait 34 ans pendant qu'on était ensemble. Un jour, il est sorti, il est allé au travail et il n'est plus rentré. Je suis restée dans ça. La douleur a été vraiment grande. Des années plus tard, un an plus tard, je suis venue ici. Et en étant ici, il m'appelle un jour de la France. Non, je suis arrivée et tout, ça va, mais comme tu es en Côte d'Ivoire, je voudrais venir me marier avec toi ici. Toi, tu es maman. Tu as marié, tu as mis ton fils au monde pour qu'il se marie. Pour que demain aussi, tu mets ses enfants sur tes pieds. Que tu les mets sur le dos. Ça, c'est un peu. C'est mes petits-enfants. Mais. C'est ça la fierté d'une mère. Mais tu es là. C'est toi, tu t'occupes de la vie privée de tes enfants. Ils n'ont qu'à faire ceci, cela. Toi, tu n'as aucun droit de faire voyager et puis dire pour plus qu'ils vont se marier. Le monde est très simple. Moi, j'ai un enfant qui est très voyou. Mais je ne veux pas parce qu'il est voyou, je vais le ruiner, il n'est plus mon enfant. Est-ce que tu vois? Parce que moi, j'ai tout, je ne peux pas donner la force au diable. Le diable n'a pas puissance devant moi. Il peut le détruire, mais il ne peut pas le détruire. Parce que le diable, quand il fait ça, lui, il est content. Il faut que tu le laisses pour qu'il prenne sa chose. Est-ce que tu as vu? Là, on a eu des gens qui ne sont plus avec une femme pendant 20 ans, 30 ans. Et puis un matin, ils se sont remariés. Parce que quand tu es chez toi, quand tu te lèves, tu dis, Dieu, je sais que ce monsieur-là, je veux. On met un enfant. On a qu'à libérer un peu les jeunes là aussi. Ils ont envie d'aussi former leur famille. Il a fait aussi son enfant. Il a fait son enfant aussi. Il va voir aussi ce qu'il va devenir. Si lui n'est pas devenu quelque chose dans ta main, mais celui qui l'a mis au monde, que l'enfant aille à l'école, qu'il s'entende. Mais vous, quand les deux, les monsieur et madame, ont problème comme ça, comme vous êtes dans la sorcellerie là, vous supportez directement votre fils. Mais ce n'est pas bon. Il ne faut pas supporter ton fils. Il ne va pas tous se mettre à se marier seulement. Et tu penses que c'est une bonne vie comme ça?
Problème de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Gourmet Sucré, une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitré par la seule Laure de tout le bleu, avec ses conseils bien pimentés. Ne ratez surtout pas Gourmet Sucré dès 22h sur Ivoire TV Musique, canal 209 des Bouquets Canal.